Bonjour, les Échos organisent leur première conférence e-commerce à Paris le 17 novembre. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Diane Mullenex, vous êtes avocat associé, cofondatrice du cabinet Ishay et Mullenex, partenaire de la conférence, et Guillaume Cussac, vous êtes directeur général e-bookers pour les marchés du Royaume-Uni, de la France et de l'Irlande. Alors cette conférence tombe parfaitement dans l'actualité puisque le 10 octobre dernier, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive sur les droits des consommateurs, dite directive e-commerce. Qu'est-ce que concrètement ça va changer, Madame Mullenex, pour les e-commerçants ? Écoutez, ça va changer beaucoup de choses puisque effectivement cette directive a été l'enjeu de débats assez importants, mais un point tout particulier, c'est la problématique du droit de rétractation. Effectivement, les e-commerçants vont devoir avoir un regard global sur cette problématique de droit de rétractation qui passe aujourd'hui à 14 jours et qui a fait l'objet d'un certain nombre de débats. Et la problématique en France notamment, c'est que nous étions à 7 jours. Donc tout le coût de ces retours va être relativement important et que les modalités d'exercice de ce droit ne sont pas encore définies, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, se rétracter pour des motifs un peu fallacieux quand on aura commandé quelque chose qu'on n'aime pas tout simplement. Vous voulez dire qu'on va avoir une explosion des contentieux ? Mais écoutez, l'Allemagne qui avait déjà une réglementation qui était à 14 jours et dont notamment les frais de retour étaient à la charge de l'e-commerçant a des taux de retour de 2 à 3 fois supérieurs à la France. Donc on sent bien que cette nouvelle directive et la façon dont elle va être transposée va impacter les fondamentaux du business, en fait. Monsieur Cussac, donc vous êtes e-commerçant, vous opérez, votre groupe opère dans une dizaine de pays, je crois, mais vous-même, 12 pays, oui. 12 pays, c'est ça ? Vous-même, vous vous occupez des marchés du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la France. Qu'est-ce que ça va donc concrètement entraîner pour vous en France ? Est-ce que la situation est très différente aujourd'hui au Royaume-Uni et en Irlande ? Je pense qu'une des caractéristiques essentielles jusqu'à maintenant et avant l'avènement de cette directive, c'est effectivement que l'Europe marchait un petit peu en marche dispersée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous-mêmes, bien qu'étant présents dans 12 pays à travers l'Europe, on voyait bien qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes juridictions sur lesquelles on se reposait, tout en étant e-commerçants et vendant les mêmes produits donc, de voyage en ligne dans ces pays-là. Alors je pense que les deux principaux impacts aujourd'hui à venir touchent à la fois sur la transparence des prix et l'obligation faite aux marchands d'afficher un prix qui soit le prix tout frais compris. Et puis par ailleurs, une approche meilleure concernant les options payantes, c'est-à-dire qu'effectivement les options payantes ne soient pas des options qui soient précochées et dont l'internaute, à travers un parcours un peu compliqué, doit décocher si effectivement il n'était pas intéressé par ces options. Voilà les deux principales conclusions. Est-ce que globalement ça va compliquer les opérations pour vous ? Non, je pense qu'essentiellement, ça va plutôt dans le bon sens, ça va fondamentalement dans la meilleure transparence, ça va dans le fait que les clients soient plus en sécurité et plus en conformité avec acheter ce dont ils ont envie, plutôt que la désagréable impression qui peut leur arriver quelquefois en France parmi certains éventuellement de nos concurrents, ou la mauvaise impression qu'après avoir dépensé un effort et un temps très conséquent pour acheter du voyage, ils ont l'impression de se faire un petit peu blouser ou ça te fait rajouter des frais sur lesquels ils n'étaient pas forcément prêts au départ. Donc oui, les e-commerçants vont devoir s'ajuster et changer un petit peu leur mode de fonctionnement au cas par cas, mais fondamentalement, ça ne fait pas peser une contrainte gigantesque sur les e-commerçants. Alors, d'une manière générale, la volonté de l'Union européenne, c'est effectivement de renforcer finalement la sécurité des consommateurs dans les transactions du commerce qui explosent. Hein, on voit les chiffres tous les mois montrer une croissance très forte de ce secteur. Une récente affaire en France a fait grand bruit, l'affaire dite Expedia, hein, où l'opérateur de réservation d'hôtellerie notamment a été condamné suite à une plainte. Est-ce que concrètement, ça change beaucoup de choses, cette décision, pour les autres opérateurs, sans parler d'Expedia ? Je crois que ça change beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'à travers la directive e-commerce, il faut une pratique de transparence. Et la transparence se voit à travers, bien sûr, le prix du produit, et qui joue d'ailleurs sur la problématique des comparateurs, parce que moins vous êtes cher, plus vous allez être classé de façon favorable dans les éco-comparateurs et dans les comparateurs. Si au bout du trajet de réservation, vous avez des frais en plus, alors vous attirez du trafic de façon quasi illégitime sur votre site. Donc,
donc il y a cette notion de transparence vis-à-vis du consommateur. Il y a cette notion également dans la directive européenne où on va effectivement vers l'opt-in, hein, c'est-à-dire que vous devez consentir expressément à la conservation de vos données, au fait de recevoir des offres promotionnelles, notamment de des partenaires éventuels du e-commerçant. Donc ça va donner à la, changer les stratégies marketing et le coût d'acquisition clientèle va s'en trouver impacté de façon très très claire. Alors, Monsieur Cusac, on dit, d'aucuns disent que les administrations, parfois les institutions judiciaires, prennent des décisions qui sont un peu en décalage avec la réalité de ce marché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il m'est difficile de commenter la décision de justice qui concerne un de nos concurrents, mais il est vrai que je pense que vous avez raison de dire que certaines des décisions qui font l'objet d'une focalisation de l'administration peuvent paraître, on va dire, un tout petit peu en décalage avec la pratique au quotidien des consommateurs et des Français lorsqu'ils sont sur un site d'e-commerce. Donc, par exemple, l'obligation d'afficher plus clairement qu'un numéro de téléphone qui est affiché sur un site internet correspond à un agent de ce marchand et non pas un agent de l'hôtelier qui est effectivement distribué par le marchand ou d'un autre fournisseur de voyage, moi me paraît pas fondamental, même si encore une fois elle repose sur la volonté du législateur de renforcer ce que Diane mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire la transparence. Donc encore une fois, l'intention est bonne, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la grosse problématique, la principale problématique était de faire rajouter à Expedia en face du numéro de téléphone que bien évidemment il s'agit d'un agent Expedia et non pas de l'hôtel X ou Y vendu. Ouais. Donc il y a une grande différence effectivement entre les pratiques de l'internaute et des sites et la perception qu'en ont aujourd'hui le législateur. À propos de télécom, vous avez un cabinet donc spécialisé notamment hein, dans les télécoms médias et technologies. Le paquet télécom a été transposé donc en droit français. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact et notamment je crois sur la réglementation des cookies dont beaucoup d'utilisateurs se plaignent. Mais là, une fois encore, on revient vers plus de transparence. C'est-à-dire que ce que la réglementation, la transposition a changé, c'est qu'il faut un consentement express du consommateur à ces cookies. Alors, je ne parle pas des cookies qui, effectivement, aident à la navigation dans un site Internet, mais je vous parle des cookies qui, en fait, retracent votre chemin, qui collectent des données, entre guillemets, personnelles sur vous. Et toute la problématique aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir un équilibre entre acquérir le client et faire des campagnes marketing, du marketing viral notamment, et la problématique des données personnelles. Et on le voit d'ailleurs sur l'importance de ces données et des récentes affaires que nous avons eu à gérer en cybercriminalité où il y avait des intrusions relativement importantes. Et quand vous êtes e-commerçant, ben, notamment dans le voyage, vous avez le nom, le prénom, l'existence d'enfants, de contraintes alimentaires bien particulières, etc., etc. Donc ce sont des données qui sont très très chères et qui ont une valeur, sans compter les données bancaires. Donc aujourd'hui, effectivement, l'amorce qu'on a eue par le cookie, c'est de dire, voilà, si je fais collecter mes données, je veux savoir pourquoi elles sont utilisées, qu'est-ce qu'on va en faire, et je dois, en tant que collecteur de données, moi, e-commerçant, m'assurer de la sécurité aujourd'hui de ces données. Et les récentes affaires, alors certes dans un autre domaine comme Areva, par exemple, bon, font un peu froid dans le dos quand même. Bien, ben, effectivement, énormément de sujets à couvrir par cette conférence. Merci Diane Mullenex, merci Guillaume Cusac, et nous vous donnons donc rendez-vous jeudi 17 novembre à Paris pour cette première conférence Les Échos sur l'e-commerce. Merci et à bientôt.